Yo les touristes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec Yamiro. Salut. On vous prépare une petite ouverture sympa. On a deux displays. Donc c'est ça sort aujourd'hui. On est jeudi aujourd'hui. Ouais, en vrai on n'est pas jeudi au moment où on tourne, mais on est jeudi au moment où ça sort. Au moment où vous donc, voyez la vidéo. Petite ouverture Darkwing Blast, tout simplement. À l'intérieur pas mal de supports. Toi t'as déjà fait une t'as déjà vu un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Ouais, j'ai déjà fait la paix. J'ai déjà ouvert mes boîtes qui sortent sur ma chaîne aujourd'hui également. Il y a beaucoup de choses. Ok. Il y a du bisté. Je pense que beaucoup de monstres dragons vont être mis en avant. Moi, je suis trop chaud. J'ai joué à Dragon League. Vas-y, voilà. Vas-y, ça va. C'est, je pense, le nouvel archétype très intéressant de la boîte. Il y a du tiramentation. Ouais, c'est ça. Il y a du tiramentation. Puis il y a du Blackwing. Oh, ça fait un archétype qui fait toujours plaisir. Ouais. Bien sûr. Tout à fait. On s'est dit, c'est cool de faire une ouverture, mais c'est peut-être un peu simple, tu vois. Et on s'est dit, est-ce qu'on ferait pas une ouverture avec une sorte de challenge? Donc en gros, on s'est dit, et ça sera utilisé pour la miniature, on va acheter du piment. Alors, pour nous préserver, on va en gros aller à contre-courant de ce qui se fait habituellement sur une ouverture YouTube. D'habitude, ce que veulent les gens, c'est avoir absolument une Starlight. Et nous, on part du principe que celui qui ouvre une Starlight est obligé de manger un piment. Et à côté de ça, on a acheté, alors on a voulu se trouver des bonbons Harry Potter. Ouais. Toi, t'as fait genre 2 magasins. Ouais, je crois que moi, j'en ai fait genre 4. Rien trouvé. J'ai même fait le magasin Harry Potter anglais. Enfin bref, impossible d'en trouver. Donc on a acheté des têtes brûlées. Et en gros, on va partir du principe, je vous ai inscrit ici à l'écran. On part du principe que si on ouvre des super tous les deux, personne ne mange de bonbons. Si on ouvre une ultra et l'autre une super, bah celui qui a ouvert l'ultra ne fait rien. Celui qui a ouvert la super, bah du coup mange un bonbon. Okay. S'il y a deux ultras, ça s'annule. Et du coup, secret, bah ultra et également. Suite. Et ainsi de suite. Exactement. Donc l'idée, c'est de faire voilà, une sorte de petit challenge, etc. Ça aurait été vachement plus marrant avec des bonbons. Hein. Genre, j'aurais bien voulu voir ta tête sur du vomi, tu vois. Ouais, ça aurait été incroyable. En espérant que l'un de nous tombe sur des boîtes un peu buggées pour avoir un peu plus d'avantages. Ouais, putain, imagine genre boîte buggée. Genre, j'ai jamais eu de Starlight dans ma vie. Mais imagine boîte buggée, genre deux Starlight. Et là, genre, t'es obligé de manger deux piments, tu vois. Incroyable. Petit instant promo, faut savoir que ces boîtes-là nous ont été offertes et on les remercie vraiment beaucoup. Gros big up. Par Omega Store. Donc, Omega Store, c'est une boutique à Périgueux qui sont assez connus pour l'OSS, mine de rien. Il y a pas mal de joueurs qui se déplacent pour ça. Mais pas que, il y a beaucoup de tournois, il y a une super commune, une super salle. Et Yannick, qui est le patron, qui est vraiment très sympa. Faut savoir que je l'ai appelé hier. Pour avoir les boîtes pour aujourd'hui, toi t'es passé les chercher. Enfin, ouais, c'était vraiment un bon détour. Ça s'est fait genre c'était mission impossible, genre vraiment. Ouais. Et ils nous ont suivis sur le projet, donc vraiment merci à eux, c'est vraiment super sympa. N'hésitez pas à aller les checker, je vous mettrai les liens dans la description et puis bah, aller à la boutique. Puis en plus, j'en profite également parce que comme je suis partenaire Omega Store, vous avez aussi les codes promo que Monster Grand mettra dans les commentaires. Il est fort. Yamiro001, Yamiro005, voilà, c'est il est très très fort. Et tu as complètement raison, donc encore une fois, bah, merci à eux. Et puis bah, écoutez, pas grand chose à dire de plus, on a une cible chacun, donc 24 boosters chacun. Ouais. Si les ratios sont bons, techniquement 6 bonbons chacun. Ouais. Sauf si ça s'annule. Méfie-toi, on a un gars à la boutique qui a ouvert 4 secrets dans une boîte. Très bien. Et ben, alors, il faut savoir qu'on a commencé à trier les bonbons juste ici. Et en gros, les rouges sont moins forts que les verts. Du coup, on a sorti les verts pour ne manger que les pas bons, entre guillemets. Bref, je pense que cette intro est déjà bien trop longue. J'espère que tout a été très clair pour vous. Encore une fois, l'idée, c'est de faire une vidéo assez chill. Peut-être qu'on prendra pas 5000 ans pour lire chacune des cartes. On va vraiment essayer d'ouvrir et passer un bon moment. Et voilà, bah, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à Yamiro. Voilà, c'est très cool qu'on puisse tourner cette vidéo-là ensemble aujourd'hui. C'est une première. Ouais, c'est une première, tout à fait. Ouais. On s'est rarement vu, en fait, même le fait qu'on n'habite pas si loin que ça. C'est vrai. Et donc voilà, tous ces liens sont dans la description. Et rien que pour ça, n'hésitez pas à faire péter un maximum de pouces bleus pour la vidéo. C'est vrai. Et si on pouvait éviter de manger un piment, j'avoue que... Moi, je veux bien en manger un. C'est vrai. Bah, si j'ai une Starlight, ça va. Ah, oui, sur ce principe-là, c'est vrai. Ouais, c'est parti, on passe sur le deuxième plan. Ok, donc c'est parti sur le deuxième plan. On a deux displays tous les deux. Ce que je te propose, c'est de faire un petit Shifumi à la caméra pour savoir qui commence à ouvrir. Ça marche. Est-ce qu'on nous voit ici? Shifumi. Shifumi. Putain. Allez, voilà. Donc ça veut dire que je commence. Ouais. Premier booster. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Donc on a du dragon Bayerok. Ok. Derrière, on a le ninja des canons. Bataille Gaul, trop long à lire. Ogre quelque chose. Et une ultra. J'ai l'impression que ça va commencer sur du bonbon directement. Ça dépend. Ruby de Gotti. Du Tribri. Du Cosmo. De l'Amazonais. Du l'Amazonais. Ouais. Okay. Vraiment. C'était énorme lors de l'avant-première d'ailleurs. Et ah ouais? Ouais, okay. Vraiment. Et première carte, elle noire. Mais écoute, je te laisse ouvrir ton booster. Ouais. Moi en l'occurrence, j'ai une petite ultra. Donc à tout moment, on part sur un petit bonbon. Un petit bonbon bien dégueulasse, histoire de bien commencer. Bien commencer la vidéo, ouais. Allez, c'est parti. J'espère que vous verrez bien. Comment c'est avec du tirementation? C'est une bonne carte, ça, je crois. Ouais, le petit rieur.
Ogre Kashtira, qui était également une des meilleures cartes lors de l'avant-première. C'est une carte qui se spec à 2008, c'est incroyable. Et on commence avec un petit bonbon. Let's go avec la super Kashtira. Du psychique, de princesse de prédiction. Draconique. Et encore un petit peu d'Amazonès. Écoute, je te laisse déguster ça à la caméra. J'avoue que pour l'instant, il n'y a que moi qui les ai goûtés. Et en gros, quand tu les croques, ça claque dans la bouche. J'ai pas hâte. J'ai l'impression que ça fait une sorte de réaction un peu chimique. C'est un peu bizarre. En plus, c'est collé. Hein. Et j'ai l'impression que tu galères un peu à les ouvrir. C'est grave bizarre. C'est t'as vu, on dirait une sorte de chewing-gum. C'est un peu bizarre comme bonbon. C'est un peu bizarre en vrai. Ça... Tu vois, au début, t'as rien. Ouais. Et tu vois, d'un coup, c'est genre ultra acide. Ouais, mais ça y est, ça vient. Bon, allez, je te laisse. Je vais ouvrir mon petit booster. Donc, du ninja. J'ai passé la carte d'avant. Encore du Amazonès. Je vais me venger. De l'entraînement. Non. Messieurs, dames. De la suite, c'est ouf. Du bestial. Est-ce qu'elle est cool celle-là du coup? Ouais. Ok. Elle est moins bestial, cool que le lion. Level 12. Mais d'ailleurs, je pensais qu'elle était en secret. D'accord, bah écoutez, c'est une ultra du coup. Et le reste des cartes. Après, je fais le malin, mais à tout moment, tu m'open une grosse Starlight et je suis là, genre. Ouais. Ça brille pas sur le côté, c'est pas une Starlight. Dommage. Ok. J'ai même pas encore fini mon bonbon. Ok, on a un petit peu de. Bref, token aussi. Oh, l'annulation. En vrai, bonne carte en plus. Ouais, mais ça me déçoit parce que ça t'annule. Enfin, c'est oui, tu voulais, ok. Mmh. Je voulais t'avoir pour plus tard. En vrai, bonne carte quand même. Ouais. En vrai, bonne carte. Incroyable. En plus, je la voulais. Hein, je t'en ai et par contre, on est à 4 boosters, il y a déjà 3 ultras. Qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est les boîtes buggées. C'est les boîtes buggées. Les boîtes Omega Star, messieurs dames. En vrai, imagine, genre la meilleure pub du monde, ça serait qu'une des boîtes soit buggée, alors que les raretés, tu vois. C'est incroyable. Ça serait incroyable. En vrai, je suis trop content pour l'Amazonès. Le deck est nul, c'est un fait. Ouais. Mais c'est. Enfin, nul. Il y a forcément un gars dans les commentaires qui va me dire: mais non, moi j'ai trouvé une version d'Amazonès trop fort. La pendule est grave cool, hein, par contre. Il y a une pendule, ok. Ouais. Et j'ai une super derrière. C'est des meilleures super que tu peux choper. Hein. C'est vrai? Ouais, dans ces boîtes là, les bestiales, c'est les super rares qui vont être le plus intéressant. Je vous montre le reste. Je suis assez content pour le support. Alors, déjà, le support dragon en direct. Et surtout le support Amazonès. En vrai, c'est un peu. Enfin, moi, il y a plein de decks fun derrière moi et c'est le genre de deck que j'aime bien. Tout ça, non, franchement, ils ont l'air vraiment très très cool. Ah, c'est la fameuse pendule du coup. Voilà, la fameuse pendule, elle fait trop de shots en fait. Pitié, pas une ultra. Oh, la super qui annule. Let's go! Ça s'annule. Et j'espère que je vais dodge toute la vidéo. C'est ça le problème, c'est que du coup. Y a un risque quoi. Déjà, t'as gagné le fait de pas manger. Loup silencieux. Alors, ça, c'est un reprint de vieille carte de MRD ou LDC, un truc comme ça, qui était l'aquamatrice de l'eau. Makare Rieur, ok. Du ninja. Et derrière, une super. Baku, le ninja des bêtes. Okay. Et derrière, on a. Rien de. Du quoi? Le cheval concombre. Cheval concombre, ouais. Assez rigolo. T'es de ma gueule. Là, vraiment. Bon, à part ça, sinon, quelles sont tes cibles prioritaires dans cette expansion? Ben, pas tant que ça. J'aimerais bien récupérer la terramentation, tu sais, la secrète, là. Et après, je sais pas trop, le bestial, pour le jouer dans Dragonmon, éventuellement. Ouais. Et... En vrai, il y a du runique. Je savais pas qu'il y avait du runique. En vrai, après, moi, j'aime bien ces extensions-là, parce que du coup, t'as du support souvent pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Et c'est le genre de boîte que j'aime bien, parce que, en vrai, tu vois, genre par exemple, ça ressemble à une carte. Je sais même pas dans quoi ça va être servi, mais ça se trouve, ça va être utilisé dans complètement autre chose. Et j'aime bien ce genre de truc. Genre, là, t'as du support runique, tout à l'heure, t'avais du support Gotti, là, t'as du support ninja, t'as du support. Genre, c'est vraiment cool ce genre de boîte. Donc, je cherche rien, mais en vrai, je vais dropper pas mal de trucs. En vrai, elle est okay, la boîte, elle est. J'aime beaucoup les arts. Les runiques, j'avais dit sur l'ouverture, mais en vrai, je les trouve très beaux. Même si j'aime pas le gameplay du tout derrière. Pleine Foraison, du Amazonès, je crois que c'est une secrète derrière. Non, c'est super, merde. Du roi tigre et du merci. Ah, bah tu vois, regarde, typiquement, ça illustre très bien. Genre, je te dis, j'aime bien avoir ces boîtes là parce qu'il y a plein de supports pour tout. Et on tombe sur du merci fourrure. Merci fourrure, c'est Daza. Ouais. Daza, c'est 2018. Daza. Tu vois, quelque chose comme ça, genre, c'est fou. Et en plus de ça, t'as aussi un monstre à effet en super rare. Ok. Merci fourrure aussi. Hop, t'es pas. N'hésite pas à te mettre un peu plus. Ouais. Là, on est bon. Bon, est-ce que je vais te faire manger un petit bonbon là? Toujours pas. Let's go! Ah si, merde! Et c'est l'emboutement, c'est une secrète. Ah, c'est une secrète. Ok, bon, bah c'est parti pour le excellente fameux... nouvelle carte qui est le nouveau barrière dimensionnelle. Ouais, c'est barrière dimensionnelle puissance 1 milliard, quoi. En fait, c'est parce qu'il y a les liens avec, donc... Bon app. Je crois que les trucs, ça m'a explosé dans la bouche. En plus, le goût, il reste longtemps, quoi. Ouais, non, mais c'est surtout... En fait, ça arrive d'un coup. Alors, on en parlait... Ah, putain.
Les gens ils vont surjouer, mais c'est une réalité. Et les gens vont penser que je surjoue, mais c'est une réalité. C'est acide. Je suis pas très fan des bonbons. Et encore moins des trucs acides, c'est une vraie punition pour moi. Donc c'est là qu'on dit on aurait pleuré pour les bonbons Harry Potter en fait. Bah ça aurait pu être compliqué en vrai. Bah en vrai si tu tombes que sur le herbe, tu vois, ça va. Putain ouais. Du ninja et arc-et-démon simul. Je crois que j'ai ouvert un peu hors-cadre, je suis désolé. Alors cette vidéo est un petit peu improvisée. Il n'y avait rien de prévu, tout s'est fait un petit peu à l'arrache. On espère que ça vous fait plaisir. J'espère que le contenu, ouais. C'est bon ? Non, je cherche un moyen de l'avaler tout rond. Ah, le petit vient de me suivre qui tombe. Ça me va. Voilà, l'archétype préféré de ma femme. Alors, je l'ai vu premier degré dans un deck terre. Un deck... Terre machine, ça fait un petit engine vraiment cool. Voilà, ça en fait, Amazonis, ils ont eu combien de nouvelles cartes? 5 de mémoire. C'est énorme. Il y a trois monstres, il y a une magie rapide pour faire la fusion. Ouais, mais ça veut dire que tu peux peut-être jouer. Tu sais, il y a une secret qui est sortie comme les charmeuses qui dit tu défausses un terre, puis tu tutoies un terre, tu respectes un terre. Si ça se trouve, ça marchera grave bien avec ça. Dunaturia qu'on n'avait pas encore eu, Déclin Griffrayer qui est un deck que j'aime beaucoup, que j'ai toujours pas construit mais que j'aime beaucoup. La vengeance est un plat qui se mange froid. Bonne secret. Une petite secret du Dragon Assassin. Un peu de support. C'est pas un deck que j'apprécie grandement. Parce que, en fait, de base, je suis pas très fan de ces decks un peu stun. Tu vois, alors ça s'en rapproche. Ouais. Mais en vrai, bonne secret. Je suis content. Et derrière. T'as déjà eu deux ultra une secret en espérant que les ratios soient au minimum respectés. Si on peut avoir plus. Bah écoute. Donc là, il faut que je sorte une secret, sinon je mange un bonbon. Quoi. Ouais, ou une Starlight, quoi. C'est ça. Ok. Bon après les communes au fur et à mesure, ouais. On va un peu tout passer c'est et c'est un chat triste qui tombe. Et c'est chat triste, c'est marrant. Ouais, c'est marrant. C'est marrant. Deuxième bonbon. Essaye de croquer d'un coup dedans, tu vas voir. Ouais, genre c'est un peu bizarre. Céleste Taizé du Naturel. Bah, la Naturel, on l'avait pas et genre là, elle tombe à la suite. Et une super derrière. Trop acide. Bête du marché. C'est la super dont je t'ai parlé, c'est une des meilleures super. Ok, de la ça marche. Donc piège. Avec les biscales. Piège continue du coup, ouais. Donc plutôt cool. Ok. Et en vrai, peut-être qu'il y a des gens qui vont comprendre parce qu'ils en mangent régulièrement, mais ceux qui n'ont pas l'habitude, ils vont se dire mais c'est que des bonbons. C'est pas dégueulasse, débile. Mais. Genre, c'est pas agréable en fait. C'est acide. Ça te brûle la gorge. C'est, c'est pas très agréable. Le ninja aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que. Ouh je crois que c'est l'ultra la plus chère. Rien. C'est l'ultra la plus chère de l'extension. C'est la meilleure. C'est ok, et ben GG. Et ben, un petit bonbon. Moi j'ai ouvert une super, c'est ça, merde. Bon, allez, bah vas-y. En vrai, en plus, je peux pas crier parce que c'est vraiment dégueulasse. Allez. Et pour l'instant, ma boîte est pas dégueu. Top. Une ultra, une. Ouais, deux ultra. Ah, mais on a les mêmes ratios, c'est. Ouais. En sachant que j'ai eu le dragon que je voulais déjà. Une super. Mais c'est encore une marche fois. Celle dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ok. Allez. Ok. Oui, ok. Bonne bestiale. Ouais, bonne bestiale. On enchaîne. Oh. Alors ça me fait pas du tout plaisir. Je peux vous le dire. Voir du support gourou, c'est vraiment pas mon. Ouais, c'est pas terrible. C'est pas ce qu'on recherche, ça c'est clair. Bah c'est pas notre style de jeu quoi, tout simplement. Ok, du coup. Tu sais que j'ai trop peur du moment où je vais devoir en enchaîner deux à la suite. Hein. Ouais, grave. Parce que, tu vois, j'ai toujours pas fini le premier, j'arrive pas à le. Non, et ça te colle au dents en plus. La même super que toi tout à l'heure, donc du semi-bruit-misant. Apparemment, c'est fort. Ouais, c'est entendu, vrai, j'ai entendu quelqu'un premier degré me dire c'est pas mal. Alors, la meilleure, c'est Vera, l'ultra rare, qui est sortie également dans cette extension. D'accord. Elle fait tout toute seule. Elle est vraiment. Ok. Incroyable. Attends, big up à Paul en fait. Là, il y a des petits trains. Bon, c'est pas les trains qui jouent d'habitude, mais big up à Paul. Et du coup, c'est la même. Le même que tout à l'heure. Ouais. Ok. Bah, je prends, franchement, c'est les meilleurs super rares qu'on peut récupérer. On a vu là en pré-vente, il y en a qui sont à plus de 10 euros. Ouais, c'est incroyable. C'est assez ouf. Oh, franchement, les artworks sont très très cool. Vraiment, vraiment pas mal. Et c'est du Koti en super. Il y a beaucoup d'art ninjutsu aussi, enfin beaucoup de cartes pour le ninja. Ce qui est pas mal. Pas trop vraiment, j'ai pu tester mais je sais pas ce que ça donne complet quoi. Ouais, j'ai pas d'idée non plus. Oh mais attends, un autre bonbon. Ma boîte t'as ouvert, des secrets non, mais là, très très fortes là. La boîte...
Le nouveau access code, si on peut dire. Ouais, c'est un peu ça. En fait, c'est surtout qu'il se met sur n'importe quel lien. Ouais. Du moment que c'est un lien 4, s'il y en a un seul, c'est incroyable. J'ai une bonne boîte. Mmh. J'ai... T'as mal choisi. Oh, ta gueule, moi je suis en train de bouffer des bonbons. Dégueulasse, là. Ah, ah, ah merde. Bon, elle est jolie, en vrai. Ouais, mais si j'ai une super, je bouffe un bonbon, là. Et en vrai, elle est... Moi, j'aime pas trop les cartes waifu, tu vois. Ouais. Et elle est suffisamment jolie, sans être waifu, et ça, j'aime bien. C'est sûr. Ça reste longtemps à la bouche. Hein. J'ai un... Ouais, mais j'ai peur là du coup. Je vais ouvrir une ultra parce que sinon. Oh. Ego. Je suis content quand même parce que c'est un noir que je n'avais pas. Et du coup, pour la collection, c'est incroyable. Et je vais devoir manger un petit bonbon. Ah, il ne reste plus beaucoup. Je crois qu'après, tu passes. C'est chiant parce que tu vas devoir passer au rouge. On va devoir passer au rouge. Ouais. Et les rouges, ils sont plus cool. J'ai encore une ultra. Ça a explosé. J'ai encore une ultra. Non. Ça veut dire que potentiellement. Potentiellement, tu enchaînes devant moi la suite. Hein. Une tatouille du coup. Non, il manque une secrète, je crois. Ouais, c'est ça, il manque une secrète. Tiens, t'imagines si le booster d'après j'ai une secrète. Ah non. En vrai, c'est que je pense qu'à un moment, ça te fait une pâte tellement grosse dans la bouche que ça doit pas être très. Donc là, c'est ultra secrète ou bonbon. Il manque plus que des ultras. Vous vous rendez pas compte, mais il y a une sorte de petit. Let's go. Il y a une sorte de petite pression qui s'installe en vrai. J'ai même pas fini le premier. Ah, bon allez, moi il me manque une secrète. Franchement, je serais très content que ça sorte sur ce booster là. Ah, c'est une super. C'est une super. Et en vrai, à la base, il a un lore où tous les artworks sont incroyables. Hein. Vraiment, c'est assez fou. Hein. Je vais faire une crise de foie avant la fin de la journée. Hein. Sachant qu'à la base, en vrai, là c'est vrai que c'est des bonbons bonbons. À la base, les trucs Harry Potter, c'est moins bonbons. Mais peut-être que c'est... En fait, je sais pas si c'était pire ou moins pire. J'arrive pas à quantifier. J'en ai deux encore. Compliqué. Oh, là, c'est... Ah, mais c'est une lien. Et c'est une deuxième lien. C'est pas la même que moi. Si. Si, tu l'as eu tout à l'heure. Ah, c'est la même. Ok, d'accord. En vrai, c'est un deck... C'est un des premiers decks. Alors, c'est le deck avec lequel j'ai commencé Duel Links. Mmh. Parce que j'étais tier 0 et que c'était facile à faire, c'était que des petites cartes, etc. Et c'est un des premiers decks que je me suis fait physiquement quoi. Ça spam, hein. Merde, fourrure. Alors, Princesse de la Prédiction, c'est une super rare qui est assez jolie. Et derrière, on a Bénédiction Naturia. Merci fourrure, ouais, tu fais spé. Ouais. Dina, tu peux plus les cibler, plus attaquer. C'est incroyable. Donc, du L noir. Il est vraiment... par contre, ce lion-là, il tombe tout le temps. Ouais, il est trop beau. Oh là. J'ai pas de chance. Enfin, j'ai de la chance en termes de boîte. Ouais, ouais. Ta boîte par contre, tu me... Ta boîte, t'es pas dégueu. Ta boîte, t'es pas dégueu. Ok. C'est la même que toi, non? Ah non, pardon. Ah. En vrai, il est joli. C'est un zombie. Alors, toi, c'est celui que je trouve le plus laid, moi, par contre. Ah ouais? Moi, j'ai jamais été fan des zombies. Ouais, moi, j'aime bien cet aspect un peu flippant, tu vois. Ouais, c'est parti. C'est cool qu'il y a pas mal de cartes. Let's go. Un petit Gotti, même si c'est pas ce qu'on veut en termes de rareté. Moi, il me manque une secrète du coup. Toi, t'as tout. Il me manque une ultra. Ok, donc on enchaîne. Donc, super. Donc, tu m'as dit que c'est une bonne. Ouais. Donc, en termes de super rare, t'as envie de l'avoir. Ok. Après, j'ai l'impression que cette boîte-là est assez intéressante d'un point de vue contenu, quoi. Honnêtement, ouais, il y a un peu de tout. La fameuse, comme tout à l'heure. Comme on en parlait en off, il y a un peu de tout. C'est vraiment cool. Pas de bonbons sur ce tour-là. En vrai, elle est jolie. Mmh. Ah, une super, donc. Je m'expose, en fait, avec cette super-là. Je m'expose à un potentiel bonbon. Je suis pas habitué à bouffer ce genre de bonbons. Ah mais non, mais vraiment, c'est que c'est assez... Ça tape, hein. Ça te prend à la gorge, en fait. Allez, mon ultra. Non, mais c'est une très très bonne carte. En vrai, j'ai une bonne boîte et le noir, par contre. C'est vrai que la boîte est pas mal. J'ai l'impression que la boîte est vraiment pas dégueu. Franchement. Du Amazoness, du L noir, du Prédiction, du Gusta et du Regain du Marqué. Allez, j'ouvre mon ultra pour faire manger un bonbon. Ouais, je prendrais un... Il reste encore quelques verres dans le paquet en vrai. Allez, du Kashtira. Du Ninja. Oh, Kashtira.
N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous recherchez dans cette boîte. Ouais. Hein. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous? J'avoue que moi, je suis content de voir... Je vais peut-être me repencher un petit peu sur... sur Monsieur Fourrure, en vrai. Attention. Ça doit apporter un peu de... Ah, c'est une super. Elle est belle. Tu l'as très, très belle. En vrai, les artworks sont assez cool. Ça plonge année 5DS, quoi. C'est ça. C'est tout ce que j'aime. Donc là, il te manque toujours ta secret. Il me manque toujours une secret, ouais. Et moi, il me manque toujours une ultra rare. Donc là, à tout moment... Bon, bah, décidément, vraiment, ouais. J'ai une boîte aile noire. On enchaîne les ailes noires. Incroyable. Mais pas de bonbons sur ce... C'est pas... Par contre, il me reste 3 boosters, hein, c'est ça? Ouais, pareil. Ouais. C'est-à-dire qu'à tout moment, j'ai une secret taille ultra et tu manges en haut. Quoi. Je pense que ça va forcément se finir comme okay, ça. Ok, donc on a du sprite. On n'a pas fait tomber, ça me fait penser à la secret sprite. Ouais, j'aimerais bien que tu la fasses tomber parce que je la recherche. Ouais. Elle veut pas tomber du tout, j'ai l'impression qu'elle tombe pas beaucoup. Okay. Pourtant, il n'y a plus de short print, hein, cette principale. Lol. Oh putain. Ouais. Allez. 1, 2, 3, 4. Putain, mais. Attends. Let's go. Alors, en vrai, ça veut dire que soit on a une boîte buggée tous les deux, soit le dernier booster tous les deux, on sera sur un fight, soit tu vas la sortir tout de suite et moi je la sors après. Elle est là, regarde, elle est là. Et un deuxième Fenrir, tu vois. Oh non. Oh, let's go. Oh let's non go. Le bonbon, il va être pour moi là. Ou alors t'as une boîte buggée. Ah, c'est quoi, du coup. Je suis qui? Je suis David Lafarge Pokémon, les gars. Tac. Et là, on va regarder les 7 ensemble. 1, 2, 3. Bourrasque. En vrai, il est joli l'artwork. 4, 5, 6. Merde. Je l'ai vu. En fait, j'ai pas compté jusqu'à 8. Et c'est une gothi. Et donc, c'est bien une secret, c'est bien une gothi. Par contre, au final, ta boîte est clairement pas ouf. Bah, j'ai pas eu de chance, quoi. J'ai eu 2 ultra gothi, du drago et 2... Bon, en vrai, elle est équilibrée si tu voulais avoir des archétypes différents. Ouais, bien. Ouais, c'est ça. T'as un peu le seum là d'ouvrir ton ultra grave. De suite. Oh là là, et en plus, une ultra claquée au sol. c'est du ninja, non? Non, du Valence. Ah oui, c'est le truc de l'extension principale présente. Ouais, c'est ça, les maîtres tactiques. Les maîtres tactiques, ouais, c'est ça. Du coup, je te le remets. Ah, le dernier. Tu m'auras un peu baisé si je. Ouais, mais en fait, j'ai dodge la première sur l'annulation d'ultra. Ouais. Et la deuxième sur le. C'est ce que je te disais, à un moment donné, j'allais me faire fumer. Et ben, en fait, c'est tombé comme ça sur le ultra VS Secret à la fin. T'en as mangé combien? Ouais, justement, je suis en train de. Parce que moi, je les ai jetés par terre, je crois que j'en ai mangé 4 en vrai. Ben, j'ai 4 ou 5. Putain, c'est dégueulasse. C'est pas bon, hein. Vraiment, c'est pas bon. Je vous remontre rapidement les cartes que j'ai eues du coup au niveau des ultra rares. Je suis assez content pour elle, même si je pense que c'est pas celle qui est la plus recherchée. C'est quand même assez cool. Le gothi, il est assez joli en vrai. Et puis voilà, toi t'as ouais. Quand même eu une bonne ouverture. Hein. Ouais, vraiment, la lien là, elle est vraiment pas mal. Ouais, en fait, la lien, la secrète, t'as eu 2 giga secrètes en fait. 2 giga secrètes, la giga ultra que tout le monde veut. Oui, c'est vrai. La carte de la boîte. Celle-là qui est une carte ultra emblématique. Voilà. Et vas-y, elle a un peu claqué la dernière. Ouais, la Gauthier aussi, mais attends, franchement, c'est ok quoi. Eh bien, messieurs, dames, il n'y aura pas de piment dans cette vidéo-là. On va quand même la garder la boîte scellée. Ouais. Parce que si cette vidéo vous plaît, on pourra en tourner d'autres. Et je me dis qu'un jour, on réussira bien à tomber sur une Starlight en vrai. Bien ça, sûr. Ça pourrait être marrant. Avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, un gros big up à Omega Store qui simplement nous a fourni ces displays-là. N'hésitez pas voilà, à leur donner de la force sur Insta. Insta Facebook? Non, oui, si, c'est ça. Insta Facebook, même présent sur Twitch également. Présent sur Twitch, c'est vrai, et qui live tous les Omega Store. Ouais, donc prochain, j'en ferai partie. C'est tu castes, tu imagines. Ouais, je caste. Donc c'est voilà, vous reverrez sa tête voilà. Si quelques jours si tout va bien. Donc gros big up à eux. Merci à toi d'être venu. Merci à toi de m'avoir accueilli. La vidéo était sympa. J'avoue que c'est peut-être pire d'avoir pris ces bonbons-là que des bonbons Harry Potter. Je sais pas, c'est vrai. Si certains parmi vous savent où est-ce qu'on peut en trouver, en vrai ça peut être pas mal d'essayer d'en récupérer, tu sais, genre limite de les mettre de côté et on voit plus tard. Parce que là on a fait un petit peu à l'impro, mais on peut se préparer des complètement. Trucs très sympas. Ouais, c'est sûr, c'est complètement faisable. Encore une fois, là ça va vraiment beaucoup dépendre de vous parce que si ça vous plaît, c'est quelque chose qu'on peut refaire. Il y a alors à la louche, on va dire 2h30 qui nous séparent, ouais, grosso modo. Donc en voiture, que ce soit toi qui viens chez moi ou moi qui viens chez toi, c'est
faisable en fait si, ouais. on s'organise. Sachant qu'on peut faire ça sur un week-end, genre s'il y a l'OSS, genre on y va et le lendemain, enfin bref, peu importe. En tout cas, c'est sûr, c'est que c'est faisable, donc n'hésitez pas à donner de la force dans les commentaires, les pouces, les abonnements, etc. Aussi bien sur ma chaîne et sur cette vidéo que sur celle de Yamiro, bien évidemment. Tu t'approches de quel palier d'abonnés toi du coup? Je suis presque à 6000 là, on est à 5007 passés. Ok, allez bombarder ça, du coup il faut exploser les 6000, hein, clairement. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, évidemment, le pouce, l'abonnement, encore une fois, merci à Omegastore pour nous avoir fourni ces boîtes-là à l'arrache, au dernier moment, et sans avoir de vraie visibilité sur ce qu'on allait faire, etc. Exactement. Et bah, écoute, je te laisse le mot de la fin, voilà. Bah, écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire, abonnez-vous et faites péter les commentaires. Ciao tout le monde. Ciao les potes.